entendre le téléphone qui sonne. Essayer de l'arrêter tant bien que mal, malgré la fatigue de la veille. Se réveiller à des heures tardives. Et le premier réflexe de se réveiller, c'est de prendre son téléphone et regarder ce qui s'est passé. À vrai dire, ça devient une routine. Tu t'habitues à ce rythme de vie et tu réalises peut-être pas à quel point t'es au fond. Les journées sont les mêmes. On en perd la notion du temps. Et tu finis par te retrouver seul, face à ton mur. Et à te poser des questions. Est-ce que t'es réellement la personne que tu voulais être? Est-ce que t'as réellement accompli ce que tu voulais accomplir? Est-ce que t'es réellement fier de tout ce que t'as fait? Est-ce que le passé va t'écraser? Ou est-ce qu'il va te servir de force? Ta vie où tu te rendras compte que certaines choses sont éphémères et toutes ces choses-là te permettront d'atteindre un objectif. À vrai dire, j'ai sans doute passé les derniers mois de ma vie à chercher une nouvelle version de moi-même. Et cette nouvelle version de moi-même, je l'ai trouvée à travers différentes choses. J'ai appris que pour construire des nouvelles choses, il faut apprendre à en détruire d'autres. Et j'ai appris qu'une vraie défaite n'existe pas en soi. En tombant, on apprend, et en se relevant, on devient plus fort. La chose que je vous dirai aujourd'hui, c'est que continuez de croire en vos rêves, peu importe ce qui se passe, et peu importe ce qui se met sur votre chemin. La réalité de la chose, c'est qu'il n'y a rien d'inatteignable, et que le seul moteur de votre vie, c'est vous-même. Souvent, vous pensez être arrivé à la fin, d'avoir perdu quelque chose d'important, mais c'est souvent à ces moments-là que la vie vous fait comprendre que
Quand vous pensez que tout est terminé, c'est le moment de rebondir et de lancer quelque chose de nouveau. C'est quand vous pensez que tout est fini, qu'une nouvelle porte s'ouvre, et c'est cette nouvelle porte qui vous fait démentir. J'ai passé un an de ma vie à me remettre en question constamment, chaque jour, à me battre contre moi-même, à rendre mon environnement toxique pour moi-même, au point où tout ça devient contre-productif. La réalité de la chose, c'est que vous êtes tous capables. Vous avez tous cette énergie en vous, et vous avez tous le pouvoir d'aller chercher ce que vous aimez. N'écoutez pas les gens. Faites ce qui semble bon pour vous. Et c'est en partie pour ça que je fais tout ça. Pour vous montrer que vous aussi, vous pouvez le faire. Je terminerai cette vidéo par dire que je tenais à remercier du plus profond de mon cœur tous ces gens-là. Vous. Et tous ceux qui ont cru en moi du début jusqu'à la fin. Fermer un livre pour en ouvrir un nouveau. Rédiger une nouvelle histoire. En fait, c'est un peu ça la mentale Roronoa. Et c'est ça que je veux voir à travers chacun d'entre vous. N'abandonnez jamais. Allez jusqu'au but. C'est en quittant votre zone de confort que vous saurez réellement qui vous êtes. Il n'y a rien qui vous enseigne mieux la vie que la douleur. Et c'est souvent dans cette voie que vous êtes sur la bonne voie. Attends. Dans un premier temps, félicitations d'être arrivé jusque-là. Mais je pouvais pas partir sans vous faire un petit cadeau. Je voulais partir dans cette démarche de faire cette vidéo pour vous motiver, pour vous lancer, pour vous montrer que tout était faisable. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de vous mettre dans la description le Discord du Road to Roronoa pour monter l'équipage le plus fort de tous. Le genre d'équipage qui s'entraide et qui se conseille. Tu vois où je veux en venir? La vraie question maintenant, c'est quelle est votre excuse pour pas vous lancer? Ouais, c'est quoi ton excuse? C'est comme appuyer sur ce putain de bouton s'abonner là. Appuie! Connard, va. 海賊王に! これはならん!